Je suis Camille Froide-Vaumétry, professeure de sciences politiques à l'URCA depuis 7 ans maintenant. Je travaille dans le domaine des recherches sur les relations entre les femmes et les hommes, la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, et également sur l'histoire de la pensée de la lutte féministe. Et c'est en raison de cette spécialisation sur ces questions que j'ai eu l'honneur d'être nommée par le président Guillaume Jollet, chargée de mission égalité et diversité, une mission donc que j'occupe depuis cette rentrée de septembre 2018. Concrètement, ma mission consiste à mettre en place divers plans d'action, d'abord dans le domaine de la formation et de la sensibilisation aux inégalités, aux discriminations liées au sexe, au genre et aux sexualités, et puis également dans le domaine de la prévention et de l'accompagnement des personnes qui sont potentiellement victimes de ces inégalités et de ces discriminations. Et puis, au-delà de ces plans d'action, ma mission consiste aussi à représenter l'université auprès des instances nationales qui œuvrent dans le domaine de l'égalité, et également à entretenir et nourrir des partenariats avec les collectivités locales et le tissu associatif rémois ou champenois. Alors pour la première année de ma mission, 2018-2019, la grande priorité sera l'élaboration et le lancement d'un plan d'action de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Nous sommes en train de réfléchir à un dispositif d'accompagnement des personnes victimes sous la forme d'une cellule d'écoute, mais également sous la forme d'une page Internet dédiée à ces questions. Et cette page Internet sera présentée, lancée lors d'une semaine thématique dédiée qui se tiendra à la fin de ce premier semestre universitaire et lors de laquelle je présenterai plus en détail donc ce plan d'action de lutte contre les violences sexistes et sexuelles.